Quelque part, voilà. Et pour la route se passe bien. Voilà les amis. Bon, à tout à l'heure. Bon bah les amis, j'approche gentiment de la maison. Là je suis en direction de Confort-Sainte-Honorine. Je passe pas par Paris parce que pour le retour, si on passe par Paris, on peut avoir des bouchons. Comme moi j'habite dans la région parisienne, je ne suis pas obligé au retour de passer par, par Paris. Là il pleut, donc un coup il pleut, un coup il fait beau et voilà il pleut quoi. Voilà, où ça s'est bien passé. Je me suis arrêté pour faire un peu, remettre un peu d'essence. J'aurais pu finir avec rester 3 barres, on va dire. 4 barres même, j'aurais pu rester avec ça pour revenir à la maison, mais je préfère rajouter un petit peu pour être tranquille, pour pas être en panne d'essence. Voilà. La route s'est bien passée, j'ai pas rencontré de concours. Bon, après, moi j'ai le boîtier Coyote, hein, vous savez, depuis des années j'utilise le boîtier Coyote. La boîtier Coyote c'est pratique quand il y a des accidents, des bouchons. Voilà, puis c'est vraiment utile quoi. Même avec une voiture pas puissante ou surpuissante, on peut choper les radars ou si vous voulez à 55 et puis vous avez un plan en moins. Donc le boîtier Coyote c'est vraiment vraiment très bien. Là j'arrive, là je suis avant Confort-Sainte-Honorine. Justement là, avant Confort-Sainte-Honorine, il y a plein de radars, radars de feu, etc. Bah voilà les amis, bah écoutez, ah voilà, là ça tombe très fort. Comme je dirais dans le nord, c'est la grâce. Ça arrive encore. Et voilà les amis. Alors, comme je dis en ce moment, pour soutenir ma chaîne, je vais abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir, la passion de mobile. Un pouce bleu. Un partage vidéo, un Instagram, un passion automobile, activer la cloche de notification. Et voilà, bon bah le voyage de Stella. Première fois à Stella dans le Nord avec ma dernière souvenir. Très bien passé, impeccable. On se voit avec des amis sympas, bonne ambiance. Ce matin, il y en a qui sont venus de Marne-la-Vallée, il y en a qui sont venus de Rambouillet. Donc c'est vraiment sympa, il y a des gens voilà, qui se déplacent pour les rassos de loin, donc ça fait plaisir. Après je sais qu'avec le coronavirus, blablabla, mais je sais qu'on a été prudent, il faut faire attention quand même. Enfin voilà les amis. Bah, sur ce, bah, voilà le road trip, enfin pas le road trip, bah, sûr, il y a le road trip de... Le retour de Stella va s'achever ici bientôt. Et puis sur ce, bah, bonne semaine à vous. Et puis à très bientôt les amis. Et comme dirait mon ami Dominique Chapat, ciao ciao.